Tu es sûr de vouloir faire ça? Pas vraiment, non. Mais le marquis siège à la convention en compagnie de Le Pelletier. Il pourra sans doute nous aider. Quelle attaque pourrait être la plus incisive contre la corruption du clergé? Cette nonne entraînant un prêtre dans la débauche, ou un bénédictin sublimement membré sodomisant un bouc baptisé en l'honneur du pape? Nulle force sur terre ou dans le ciel ne pourra me forcer à vous répondre. Tu as raison, Arnaud. Allons pour le bouc. Bien. Que puis-je faire pour toi et ta charmante compagne? Louis-Michel Le Pelletier, que pouvez-vous nous dire sur lui? Oh, ce cher Louis, un chantre de l'abolition de la peine capitale qui milite pour la mort du roi 2 ans plus tard. Où peut-on le trouver? J'ai bien peur que mes collègues députés ne recherchent guère ma société, sans doute en raison de mes réticences à faire décapiter des innocents. À propos d'innocence... Sade, Le Pelletier. Eh bien, il me semble qu'il prend ses repas dans un café proche du palais royal. Je pense que tu pourrais le trouver là-bas. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai. C'est vrai? Dans ce cas, j'espère me tromper. Oh, que non. Livraison de vin pour le palais. On porte ça derrière. Cette fois, tâche de nettoyer ces vitres comme il faut. Sinon, monsieur Le Pelletier va me le faire payer. Bien, madame. Bonjour, citoyen Le Pelletier. Citoyen Talien. Tu préfères t'enfuir, sale lâche! Oh!
Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes malade? Hé hey, attends un instant. Monsieur le Pelletier s'est plaint de traces l'autre jour. Pardon, mademoiselle. Monsieur le Pelletier s'est plaint que son bureau sentait le renfermer. Pourriez-vous ouvrir la fenêtre? Qu'est-ce que vous racontez? Monsieur déteste les pièces aérées. Ceci pourrait-il vous convaincre? Oh oui, monsieur. Rémi, ouvre la fenêtre. Monsieur le Pelletier aimerait qu'on aère son bureau. Mais tu disais que... Fais ce que je te dis. Très bien. Rappelez-vous, je vous ai dit que je n'en avais plus. Du coup, remettons notre action à côté.
Personne n'approche. Ce vin a été coupé au sucre de plomb. Un seul verre et... Quel genre de méfait ? Je ne sais pas de quoi vous... Je fais ce métier depuis 30 ans, mon gars. Ça, ça pourrait être... Je sais reconnaître du vin frelaté. Il y en a pour 50 livres. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi ? Ma foi, tu peux le vendre comme remède contre la virole si ça jante, mais je n'en achèterai pas une goutte. Plus rapide que le cheval.
Garçon! De votre meilleur vin. Ce soir, nous fêtons la mort de la tyrannie. Tout de suite, monsieur. C'est de pire en pire chaque jour, ça devient insensé. David, et après... apporte-moi une bouteille de Château d'If, et vite. J'ai perdu quelque chose? S'il m'y arrivait malheureux, je ne pas encore de harceler de questions. Je vous assure, les ficelles ont beau être grosses, certes, ne s'arrête pas à cela. Ça fait des heures qu'on attend ici. Et des gredines. Ma pugnacité est à dure épreuve. Très bien, David. Je ne t'avais même pas vu arriver. Voilà, monsieur. Un Château d'If 74. Un très bon cru, si je peux me permettre. Merci. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ma chérie. J'ai l'estomac un peu dérangé, voilà tout. Va, va retrouver ta nourrice et dis-lui de te ramener. Je vous rejoindrai bientôt. Bien, papa. Lorsqu'il aura été exécuté comme un vulgaire brigand, que nous présenterons au monde la vérité de Jacques Molay. Présentez au monde les vérités qui vous plaisent, grand maître. Ce que je le fais pour le bien de la France. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Citoyen Le Pelletier, à cet instant, nous comptons 360 voix pour l'exécution et également 360 pour la clémence. Quel est votre vote ? L'exécution. Les voix ont été comptées, grand maître. Alors ? Le roi va mourir. Je n'en ai jamais douté. J'avoue être impatient d'assister à la fin de la tyrannie. Je veillerai à ce que vous soyez bien placé. Thank you.
Donne-moi un nom. Il n'y a plus... Il se passe quelque chose là-bas. Termine de modérer. Vous les modérés.